Bonjour à tous, c'est Mythidoka. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Last Day on Earth et aujourd'hui, petit pack opening. On va se faire un pack opening au bunker, donc avec tickets vert, orange et rouge et une petite disquette. Allez, c'est parti, on est arrivé. Donc, on va s'occuper déjà des moches qui traînent de droite à gauche. Voilà, celui-ci en premier, petit coup de katana qui va bien. On va aller mettre la disquette. J'espère qu'on aura du bon loot. Je suis à la recherche de ces 4. À force de vous faire des vengeances, des raids, etc., je n'ai plus du tout de ces 4. Donc, il m'en faudrait au moins 2. Donc, ça, c'est sûr, je vais les avoir avec la disquette. Puisque dans une disquette, vous avez automatiquement 2 C4. Et pourquoi pas un petit troisième dans la caisse à coupon rouge. Allez, on s'occupe des 3 moches qui restent. Vite fait, bien fait, vient la pépère. Ça, c'est fait. Bon, l'autre, j'ai pas pu lui mettre de CC, mais c'est pas grave. On va récupérer les tickets, donc ticket vert, ticket orange, c'est nickel, chrome. Allez, à toi, à son tour, et après c'est bon, on pourra faire le pack opening tranquillou. Voilà, petit ticket au passage, on va fouiller l'étagère. Vous pouvez trouver comme d'habitude des tickets, clé plate ou éventuellement marteau. Bon, là c'est une clé plate, c'est impeccable. Allez, on pose les tickets là, les tickets orange. On va fouiller la poubelle, puisque c'est pareil, dans la poubelle vous avez automatiquement un ticket. Donc c'est plutôt sympa. Bon, en général c'est vrai c'est un ticket vert, mais si vous avez de la chance vous pouvez avoir un ticket orange. Allez, c'est parti, on commence le pack opening. Là dedans il y a quoi? Oh, petite Uzi, ça fait plaisir. La batte de baseball, une tenue classique, ok. Bon, caisse un peu classique. Oh, une M16, un Glock, petite tenue tactique, pardon je bafouille, de l'essence du soin, ça me va. Alors là dedans voyons voir. Une Uzi, une AK, un minigun, une M16, la fourche pour ceux qui la cherchent, tenue SWAT, tenue tactique. Est-ce qu'on a du C4? Pas de C4, ok. Bon, bah c'est pas grave, on file en zone de disquette. Du coup, je vous fais une petite ellipse. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous sommes arrivés à destination. Alors, voyons voir. J'espère que ce ne sera pas une caisse infectée. Petit coucou au passage. Hein. Parce que du coup, j'ai pas vidé mon bain d'acide hein, avec l'event qu'on a eu pour l'anniversaire de Kéfir. Du coup, j'ai laissé tous les trucs dont on avait besoin. Donc, les fibres, les bières pour les viandes saoules, etc. Enfin, bref, il y a quand même du monde. Hein. J'espère que c'est pas une caisse infectée. Viens la pépère, on va s'occuper de lui. Au katana, c'est assez rapide. Donc, c'est une arme que j'aime beaucoup, en fait. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, on va passer par là. Hop. Ah, désolé, Bambi. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, ça fera de la viande pour mes loulous. Voilà. Ah, bah, même pas de peau. Ok, juste un petit bout de viande. Ah, je vois un petit toutou là-haut. J'ai vu bouger. J'espère que ce sera un Yuski. On va bien voir. Alors, là-dedans, il y a quoi? Ah, c'est pas mal. On a donc les deux C4, un minigun, une AK, un plan, mais je l'ai déjà. Une tenue SWAT en entière, barre d'acier, barre de cuivre, barre d'alu. Bon, c'est une caisse qui me plaît pas mal. Je vais laisser la peinture parce que j'en ai pas besoin. Et on va aller chercher le toutou. Alors, c'est quoi? Oh, ça n'a pas l'air d'être un Yuski. Chiot berger allemand. Bon, bah, c'est toujours un chiot. C'est toujours ça de prix. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.